Bonjour, bonjour! Merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo de début de semaine qui vous accompagne cette semaine. Un guide, un ange, un gardien, un protecteur, un messager, peu importe ce que c'est un focus sur votre semaine. Choisissez entre la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Et puis, j'ai eu envie de compléter, je verrai, hein, selon l'ambiance de chaque carte, j'ai envie de compléter avec le tarot des anges gardiens pour vous donner une information supplémentaire pour votre semaine. C'est la semaine 2 de 2022. Allez, on y va, c'est parti pour le messager numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 1, celui qui vous accompagne, hop là, c'est dans ce sens-là, c'est l'hydre de Lerne. L'hydre de Lerne est une créature mythologique. C'est le fameux serpent à trois têtes, là, avec sa queue de scorpion, qui a la réputation, lorsqu'on lui coupe la tête, il y en a deux qui repoussent, en fait. Et il vient vous parler. Il représente le monstre en vous. Rien de dramatique, rassurez-vous. Le monstre en vous signifie simplement de faire attention à ce que vous avez enfoui. N'enfouissez pas vos émotions, une façon d'être, des fois, d'accord. On doit réagir de manière conventionnelle, mais n'essayez pas, je ne sais pas, par exemple, d'être BCBG alors que vous avez qu'une seule envie, c'est de faire une bataille de farine. Vous voyez, c'est un petit peu ça. N'enfouissez pas vos désirs, vos besoins, vos pulsions. Sinon, à un moment donné, elles vont exploser au grand jour et là, sans aucun contrôle. En fait, l'hydre de Lerne, elle vient simplement vous dire « Mais regarde-toi, regarde ce dont tu as besoin. » C'est à la limite, c'est l'image de l'enfant intérieur, quoi. Il faut s'amuser de temps en temps. Il faut faire attention à ce que l'on a refoulé. Donc, il faut s'exprimer. Parfois, il s'agit tout simplement de, je sais pas, de hurler dans la voiture, de taper dans un coussin, si on doit libérer des émotions profondes qu'on a refoulées. Mais ça peut tout simplement être aussi aller se promener et aller s'amuser dans des flaques d'eau, hein, tout simplement. En tout cas, n'enfouissez rien. Laissez vos passions, laissez vos désirs s'exprimer de temps en temps. N'essayez pas d'aller à leur rencontre, en fait, c'est un petit peu ça. C'est très beau, hein, pour vous accompagner cette semaine, dans cette deuxième semaine de l'année 22. J'ai pris le tarot. J'ai eu envie de prendre le tarot des anges gardiens pour oui, oula. D'accord. Pour voir s'il y avait d'autres messages pour compléter justement l'hydre de Lerne. Le 5 de l'émotion. Allez, on est dans l'émotion, évidemment. Le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. C'est peut-être ça, en fait. Vous avez peut-être enfoui quelque chose. Avoir du chagrin. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider et retrouver le chemin du bonheur. L'hydre de Lerne, elle est vraiment là cette semaine pour vous dire que vous avez besoin de libérer quelque chose. N'oubliez pas, c'est pour ça que c'est une hydre, c'est pour ça qu'elle représente ce petit monstre en vous, pour pas qu'il prenne trop de place à un moment donné. Oh, le monde, la satisfaction du travail accompli. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Donc, c'est pour ça. Savourez ce moment parce que, en fait, vous faites
peut-être émerger, peut-être vous faites vivre ce petit monstre en vous, l'hydre de Lerne, pour pouvoir passer à autre chose. N'essayez pas de vous réfréner. Et le 2 de l'émotion, avec alors soit une relation amoureuse de plus en plus forte, soit une amitié qui est renforcée par une entente en fait parfaite. C'est un respect mutuel et la compréhension de l'autre. Tout finit toujours par s'arranger. Voilà, c'est très émotionnel pour vous, ce gardien est très très beau. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur de lui et n'hésitez pas à aller lui demander conseil. N'hésitez pas même à le visualiser à l'intérieur de vous et puis qu'il sorte parce qu'il doit sortir. Mais quels sont vos désirs? Quelles sont vos pulsions? Quelles sont vos envies profondes? N'oubliez pas de les évacuer et d'aller vous amuser. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez choisi la muse. Dès qu'on regarde cette carte, c'est rempli de douceur. Il y aura beaucoup de douceur pour vous cette semaine. La muse représente toujours cette inspiration chez les artistes, chez les poètes, chez les créateurs, chez les peintres. Une inspiration ou alors une interaction, un pont en fait entre nous et le divin, entre nous et le céleste, celle qui permet justement cette connexion. Elle vient révéler aussi chez vous peut-être la recherche de talents cachés. Nous avons tous des talents particuliers et peut-être avez-vous envie justement de découvrir ces talents cachés. Peut-être avez-vous envie d'aller vous découvrir vous-même en fait, de faire un point sur toutes vos capacités, tout ce que vous avez réussi à réaliser dans votre vie et puis peut-être l'envie de faire quelque chose de nouveau. Peut-être cherchez-vous une nouvelle inspiration. C'est peut-être ça avec la muse. Mais c'est ce don qui n'appartient qu'à nous-mêmes, dont vous avez déjà conscience ou pas, utilisé ou endormi. Mais en tout cas, vous avez envie de se reconnecter à cette faculté particulière à l'intérieur de vous. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Peut-être avez-vous besoin de faire le bilan en ce début d'année sur tout ce que vous avez vécu. Mais avec la muse, en tout cas, c'est de grandes capacités qui peuvent se révéler à vous. Donc, faites appel à elle tout au long de la semaine. Demandez-lui de vous inspirer. Il faut toujours demander pour recevoir. Et j'avais envie de compléter ces gardiens avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce que les anges gardiens ont à dire avec la muse? Avec la muse. Le messager de l'émotion. J'en prends deux. Le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Donc, peut-être c'est ça. Allez-vous avoir de nouvelles informations ou de nouvelles envies sur vous-même, en fait. Peut-être allez-vous, cette semaine, essayer quelque chose de nouveau, puis vous rendre compte que vous y arrivez très bien, que vous êtes très doué pour ça. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité, par exemple, à un événement. Ah, quelqu'un qui... Ah, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Quelqu'un qui vous invite, quelqu'un qui n'a que de bonnes intentions. Peut-être qu'un ami, un parent, un collègue, peu importe en fait, va venir révéler ce don artistique
et qui est à l'intérieur de vous, et que justement vous allez être invité à un événement qui va refléter en quelque sorte ce don avec le 10 de l'action. Et là, on vous dit de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sachez demander de l'aide hein, pour vous soulager et prendre soin de vous. Donc là aussi, on vous ramène à la muse qui a besoin de temps, qui a besoin de temps pour créer cette connexion, pour aller à la recherche d'elle-même. Donc, il m'en faut une troisième. Donc, si on vous invite cette semaine, dites oui, même si vous êtes surchargé dans votre emploi du temps. En fait, la muse, quelque part, c'est l'instinct. Ou c'est l'intuition. Et le 2 de la pensée. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond, vous savez quoi faire, c'est ça. Peut-être avez-vous cette semaine beaucoup de choses à faire, un agenda extrêmement chargé. Donc, la muse vient vous rappeler de prendre du temps pour vous et de vous connecter à votre don intérieur. Et surtout, n'hésitez pas à sortir si on vous invite. Ne dites pas non parce que votre agenda est surchargé. Mais quoi qu'il en soit, trouvez cet équilibre entre le céleste et le terrestre. Et revenez à vous-même. Si vous avez choisi le gardien numéro 3, oh, vous avez choisi Rock. Dans les légendes, Rock est un oiseau gigantesque qui était connu quand il déployait ses ailes pour éclipser la lumière du soleil. Il est un symbole de force, de puissance, de sérénité, d'abondance. On dit qu'il serait à l'origine des vents. C'est un excellent présage parce que c'est un symbole de réussite et de puissance. Hein. Cette semaine, peut-être, allez-vous être très inspiré, très convaincant, très entreprenant, très épanoui. Vos actions seront reconnues. Mais attention, il faut garder la tête sur les épaules avec lui parce que sinon on tombe de très haut justement. Donc il faut garder le cap, il ne faut pas s'emballer, il faut profiter de ce moment très positif, il faut l'utiliser pour que ça puisse vous aider sur du long terme. D'où le besoin de se recentrer, de vraiment prendre conscience de cette puissance à l'intérieur de vous et de cette abondance. Mais avec lui, et avec lui, vous savez que vous pouvez avancer sereinement. Il peut aussi être le symbole d'un dénouement heureux d'une situation. S'il y a quelque chose qui vous semble bloqué, il est le signal d'un arrangement, peut-être d'un assouplissement de votre part, parce que parfois, pour décanter une situation, c'est marrant que je vous dise ça, je ne sais pas d'où ça sort, pour décanter une situation, on a tout simplement besoin d'entendre le point de vue de l'autre et que l'autre sache que vous le prenez en considération, que vous l'écoutez, que son avis est important, que voilà, vous c'est ça, c'est prendre l'autre en considération. Étant donné votre force, votre puissance, votre sérénité de la semaine, utilisez-le pour arriver à bien communiquer, à bien vous positionner et non pas à écraser ou à vouloir dominer.
Mais en tout cas, restez sur ce beau symbole de réussite, de force, de puissance, de facilité, puisque il est censé être le maître du vent, des vents. Alors, j'ai pris l'oracle des anges gardiens. Est-ce que je... Oui. Est-ce que je peux compléter, Rock, le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant par exemple sur les bancs de l'école ou en suivant une conférence, un mentor ou en vous rapprochant des personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Oui, carrément, c'est une semaine avec un grand élan créateur, mais constructif, matériel. Avec vous, on crée quelque chose. Hein. Si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Hein. Et le 4 de l'action, oh, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Je vais prendre une troisième carte, hein, juste pour le fun, mais je pourrais m'arrêter là, c'est celle-ci. Le 9 de la prospérité. Votre tirage, il est dingue. Bravo, hein, si vous avez choisi Rock, bravo. Le 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et vous pouvez vous offrir de luxueux petits cadeaux. Oh, profitez. Je vais vous les montrer parce que vous n'allez jamais me croire. Vous pouvez lire les messages un à un. J'ai pas mis ma caméra au même endroit que d'habitude, alors ça me déstabilise un peu. Mettez sur pause hein, pour relire ces messages. Mais en fait, vous êtes dans une semaine d'abondance, de prospérité, parce que vous êtes connecté avec une énergie de création et une énergie de force, une énergie d'abondance. Et j'ai vraiment, avec cet oiseau, la vision de la création pour du long terme. Quelque chose qui peut-être que vous démarrez maintenant, mais qui est vraiment fait pour durer dans le temps. Donc, je vous souhaite vraiment une semaine très créatrice et merveilleuse. Merci beaucoup pour ce tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 4, vous avez choisi le troll. C'est le troll qui est avec vous cette semaine. Et je l'adore, lui, en fait, parce que c'est le roi de la mauvaise foi. Il s'énerve sur les autres, il se décharge sur les autres, mais simplement parce qu'il ne se rend pas compte de ses véritables compétences. Donc en fait, cette semaine, rendez-vous compte en fait de tout ce que vous faites, de toutes vos qualités, de tout ce que vous avez de tout ce que vous arrivez à réaliser en fait. C'est prendre conscience que on a parfois un sens critique beaucoup trop élevé envers nous-mêmes. Nous sommes parfois beaucoup trop exigeants envers nous-mêmes. Et donc, on a beau faire mille et une choses parfaitement, bah pour nous, c'est beau, c'est pas top, ou c'est normal, ou c'est pas encore assez. Non, non, il faut savoir se rendre compte de ses qualités ou ses compétences. C'est baisser son sens critique et vraiment reconnaître notre bon travail, parce que l'autocritique, c'est de l'autosabotage et il faut se donner de la gentillesse à soi-même
pour pouvoir en donner aux autres. Donc, vous méritez les compliments. N'attendez pas les compliments des autres, en fait. Hein. Complimentez-vous vous-même. Vous le méritez grandement. N'oubliez pas le troll cette semaine. C'est vraiment un très, très beau gardien. Parce que encore une fois, hein, parfois, on se critique beaucoup, beaucoup trop. Réfléchir et faire le point. J'ai pris le tarot des anges gardiens. Justement, j'avais envie de compléter ces fabuleux gardiens. Vous avez fait une multitude de choses dans la vie et vous pouvez être fier de vous. Voyez ? Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Posez-vous, réfléchissez, faites le point sur le passé et sur le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, hein, j'ai vraiment le sentiment que vous avez beaucoup de capacités en vous, mais quelque part, peut-être vous voulez cacher à vous-même en fait. Le 9 de la pensée. Eh oui, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Mais j'adore, hein. Je mettez sur pause hein, si vous voulez lire parce que je n'invente rien, évidemment. Inutile de vous inquiéter. Imaginez, le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Demandez de l'aide pour y voir plus clair. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit d'un point de vue terrestre ou d'un point de vue céleste. Peu importe vos croyances, demandez et vous recevrez en fait. C'est une loi universelle, c'est même une loi énergétique. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux autres pour vous aider. Et encore une troisième, non, c'est celle-là, ça fait de l'électricité dans la main. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est peut-être le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou donner libre cours à votre créativité. Considérez votre situation dans sa globalité. Soyez positif. Arrêtez d'être critique. Ne soyez pas trop critique. Ne soyez pas trop exigeant. Il y a plein de qualités. Vous avez besoin de les mettre en avant vous-même, quoi. Il y a peut-être une nouvelle opportunité, peut-être une nouvelle association, l'envie de faire quelque chose de nouveau. Mais n'hésitez pas à faire appel à vos amis, à vos gardiens, à vos anges. Et n'oubliez pas le troll qui a beaucoup plus de qualités qu'il n'y paraît.